matin sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous. Et bon mercredi, changement de temps ce matin avec un temps qui est couvert à orageux avec des averses, une température extérieure à 22 degrés, une température de l'eau à 20 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à midi 10, des coefficients de 83. Sur ce descendant, le vent est passé nord-ouest, il s'est établi un bon de Beaufort. Hein. De Beaufort établi, le plan d'eau est bien clapot, les phases de vagues sont ridées, là où les tordues, une houle qui est longue avec 10 secondes de période orientée ouest, à peine ouest-nord-ouest, bien multiplique à la hausse, il y a 50 cm, un bon 50 cm sur les séries, quand il n'y a pas les séries, il y a 30 à 40, la marée commence à descendre, ça commence à casser un peu, ça propose des petits pics mousseux, avec des épaules courtes et molles, une zone de déferlement aléatoire, c'est pas terrible ce matin, ça donne pas envie d'aller à l'eau, il y avait une personne à l'eau, uniquement, l'évolution pour le reste de la journée, le vent est là où le vent grossir petit à petit toute la journée, la boire cachant était sur un mouvement à la hausse, à 1m66 secondes, à 13h50, 70 cm ouest, un petit peu ouest-nord-ouest, 10 secondes de période dans ouest-nord-ouest à 3 Beaufort, et à 17h50, 80 cm ouest, un petit peu ouest-nord-ouest, 10 secondes de période dans ouest-nord-ouest, 3 à 4 Beaufort, des vagues qui vont se dégrader, à surveiller quand même la fin de journée, voir si le vent va se lever là sur la marée montante, pas certain, ça peut faire un peu comme hier, prévu se lever et ne se lève pas, et donc des conditions qui pourrait être un peu plus favorable en fin de journée, à surveiller. On suit ça, on se retrouve à 11h30, à tout à l'heure, merci.